En ce temps-là, était l'informel, l'épars, l'inorganisé. L'époque chaotique où le regard ne croisait que le vide, où les doigts ne rencontraient ni l'archet ni le clavier. Les temps heurtés des roues sans engrenage, des pendules sans balancier. Le temps des cœurs vides et des sons désaccordés. Puis vint un petit homme du nom de Jean Farkas, suivi de près, de très près, par un certain Wolfgang Amadeus Mozart. Et toute chose trouva alors son sens, sa signification. Était la restauration d'objets d'art. J'ai travaillé dans un milieu d'antiquaires et certains antiquaires étaient spécialisés dans la vente des automates. Et un jour, j'ai une amie qui m'a conseillé de restaurer un de ces automates. Et puis alors, tout est venu de cette découverte des automates, qui était pour moi quelque chose d'inconnu. Imaginer le sujet, le concevoir dans la silhouette, si vous voulez, et puis établir toute la mécanique intérieure qui fera animer le sujet. Tout ceci demande différents corps de métier, c'est-à-dire, la petite menuiserie, la mécanique, et puis ensuite, il y a la décoration, le montage et l'habillage.
moteur, que ça tourne et que la fête commence. Auquel un parrain nabab offrit jadis ses merveilleuses poupées. Mère et puis grand-mère attachées à leur mémoire, elles ont fini, elles aussi, par passer et trépasser. Et la poupée refait encore et encore les mêmes gestes, comme si le temps était effacé. Mieux, comme si le temps n'avait jamais existé. Thank you.
Parcas, est-il vrai que vous considériez comme le plus grand fabricant d'automates du monde ?